ici. Dieu compte sur nous pour qu'on puisse avoir des feuillards pour aller dans les rues, dans les métros, pour donner amen, de la nouvelle. Il y a une nouvelle église ici dans les quartiers. Église de Dieu dans les Sion. Il faut évangéliser, comme je l'ai dit avant hier, pour qu'il y ait des réveils. Donc, il y a des personnes qui se contentent à évangéliser au sein de l'église. Ma mère, là, je suis évangélisé. Ma courrière, ma prône à mes volets. Parce que je ne peux pas évangéliser dans le métro. Je ne peux pas évangéliser dans le bas. Mais là, je suis sauvé au bagage. Et puis, tu as dit à partir de là, tu as dit là, la même dimanche prochain, il faut que chaque monde m'ait invité là. Maintenant, tout le monde qui est là pour moi, je demande pour tout le monde à m'aider invité dimanche. Dégage, je vais mettre payé pour payer. Comment ça va pas faire ça? Je vais mettre payé pour payer invité. Quelqu'un de son, je vais mettre payé pour payer frère Jean. Tout le monde qui est là, c'est ma souveraine constant. Pour tout le monde m'aider invité. Il y a fait la petite dire waouh! Ça pour nous, il n'y a pas prêté. C'est ça, oui, évangélisation. Amen. Quand il s'agissait. Donc, si il s'agissait d'un père de ma voix, manger ma café. Et puis, inviter, tout invité à voir les mains au café en roi. Amen. Est-ce que vous avez chrétien? Après la paix, est-ce que vous avez chrétien? Je ne sais pas si la triste, oui. Je ne sais pas si la triste, je accepte non. Moi, et puis je tellement détesté ça, je me flouche vite. Où je regarde même? Parce que je regarde, ça m'a dit là, c'est sérieux. Il y a une femme qui est mariée à Cali, mariée a tellement mal vivre avec elle, quand elle a pris l'argent dans mes mariés, pour écouter manger pour l'autre garçon. Parce que Maria n'est pas bon, Maria est sauvage. Il dit, vous ne pouvez pas me chérie, ma baille garçon, qu'on dit chérie manger. Il prend l'argent, non, mais. Alors ça, mon bagaille, pour m'approuver, c'est inacceptable. Mais chrétien, vraiment, si on se mange pour ne pas dire merci, il avait pour son coup de pied au mari. Et ça fait, moi-même, avant madame Marie, me plaît chérie. Avant de venir travailler, je me plaît chérie encore. Alors si elle fait ça pour chérie, pour qu'on nous qui ça passe. Parce que chérie, je ne peux pas manquer mon chéri. Il faut apprendre, amen, apprécier le monde dans votre là. Et pas le monde qui va aller chez vous. Ou t'es venu à l'école, et ça. Ah, tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Moi, même le monde doit même. Oui, ça. Pas le monde. Ou même le monde, même méchant. Le même monde dirait même. Même méchant, oui. Bon, regardez, on écrivait des photos d'Ivalier. Et puis il paraît, ou à Divalier, tout le monde a dansé, Divalier, Divalier père. Et puis il paraît, la Divalier mourir, l'allait devant, photo d'Ivalier dit, salut, bon respect, bon âme. Nous te sommes chefs jusqu'à la mort. Il va la vie à vie. Et puis, beau photo, il vient de la vie. Voilà. Donc l'église, c'est dans la prière que nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est un cadeau, mais nous devons rester dans la présence de Dieu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. C'est fini. Mais l'église, si vous aimez la présence et la puissance de Dieu, il faut prier. Je ne dis pas que vous soyez des religieux là, mais il faut vraiment prendre un moment pour prier. Même une seule fois dans la semaine ou une seule fois par mois, comment ça marche? Vous prenez votre livre chant d'espérance, vous prenez votre Bible, vous commencez à chanter un chant, vous lisez une partie de la Bible, vous commencez à prier. Vous commencez notre chant, vous lisez notre partie de la Bible, vous commencez à prier. Et vous, c'est comme ça, ou après, la prière va venir en face de vous. Tu peux me réveiller dans le sommeil, puis je commence à prier. Je ne cherche pas des mots.
Pasteur Foris, le téléphone, c'est Foris qui m'a levé dans la vie. Il y a quelqu'un qui appelle et dit, au nom de Jésus, esprit de pouvoir, au nom de Jésus, esprit bâtard, au nom de Jésus, esprit ancestral fort, au nom de Jésus, esprit guerrier fort. Parce que vous prenez son problème qui vous fait mon arrêt de ma désert. Même genre, Pasteur Gary a dit ce matin, je l'avais dit, quelqu'un qui m'avait écrit anonyme, mais je savais automatiquement que la personne m'a écrit, j'ai dit à ses frères, voici, c'est le frère tel et tel qui m'a écrit. Mais il n'a pas mis son nom, il m'a envoyé un email anonyme. Mais pour quelle raison? Parce que je savais parler avec lui. Il m'a écrit comme il a parlé. Hein? Il faut que nous soyons des intelligents. Alors quand on est dans le monde de Sion, vous pouvez changer de voix, vous pouvez écrire pour moi qui nous écrit, et c'est pour vous. Et c'est pour vous. Pas maintenant, non? Et bien, je suis venu, je me suis dit, frère, regardez, c'est une église prophétique, pour qu'il soit écrit, madame. Ok, mais moi, je vais vous dire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous disons merci Seigneur, nous sommes l'Église. Amen. Regardez la personne à côté de vous, dites nous sommes l'Église. Encore, nous sommes l'Église. Quand quelqu'un a une difficulté, nous devons prier pour lui. Quand quelqu'un a un problème, nous devons prier pour lui. Car la prière nous fait voir la gloire de Dieu. La prière nous fait voir, amen, l'impossible possible. La prière au nom de Jésus, ça marche. La prière au nom de Jésus, ça fait bouger les montagnes. Mais par contre aussi, je l'ai dit, il y a des prières qui ne sont pas des prières efficaces si nous vivons dans le péché. Donc, Dieu ne peut pas nous répondre. L'envie, l'orgueil. Donc, lorsque nous nous réunissons pour la prière, d'ailleurs, nous devons nous embrasser. Nous sommes frères, je sais. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit avec l'esprit de Dieu, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Pourquoi nous chantons les pentecôtistes, les vrais pentecôtistes aiment chanter. Ou bien pas moi, c'est moi. Mais il y a un peu de chanter, bah oui. Menti. C'est-à-dire, les chants créoles. Tes problèmes sont mes problèmes. Mes problèmes sont tes problèmes. Problème pas moi. Gardez-moi pour qu'on aille acheter avec nous. Prédicateur qui va tourner et puis qui met la Bible tête en bas et puis il a fait maman et puis la tête en bas et puis nous c'est même qui garde il va Bible la tête en bas il va dire comment vous dites pasteur responsable là Bible la tête en bas et puis il fait prêcher et puis il dit amen amen il va faire bon fonction non il dit pasteur un tel voit qui bébé ou bien pasteur un tel.
c'est ça. Et puis tout le monde dit ça. Ok, ok. Et écoute, je suis là, oui, il doit être un chant là même. Il doit être un chant là même. Alors peut-être, la parole de Dieu est réelle. Maintenant, béni, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes membres des uns des autres. Comme nous venons de chanter. Mes problèmes sont tes problèmes. Vos problèmes sont mes problèmes. C'est ça l'Église. Mais l'individualisme nous empêche de voir la gloire de Dieu. Donc, l'Église, donne compte, la vraie Église, les puissants démoniaques ne pouvaient pas résister devant l'Église. Si tu ne vois pas le problème, des fois les gens sont dans le problème, ils ne partagent pas, ils ne m'ont dit que j'ai un problème. Oui, mais parfois le Saint-Esprit, écoutez-moi, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vous dire qu'ils n'ont pas rien. Le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur. Mais à cause que nous avons la dureté du cœur, nous aimons tout pour nous. Donc, même si c'est un mouille, ça ne me regarde pas. Donc, j'ai seulement fait des farines, un peu d'huile pour manger. Et après quoi, je vais mourir. Je ne donne pas. Mais parfois, Dieu vous a parlé. Non, bon, on a gagné mon abonné, j'ai ramené ce qu'il y a pour moi en 5 dollars. Et puis on dit, oh, mes amis, ma belle, passe là en 5 dollars. Imaginez aussi 30 pour d'abord 35 dollars. 5 multipliés par 30, ça vaut 150. C'est 5 fois 0, 0, 5 fois 3, 15. En passant, nous voulons prendre là, des bourgains 5 ou maintenant. Et le map, t'en as plus là quand on dit, on va aller même. Mais non, nous devons un frère. Non, écoute. Mais n'en fais pas. C'est la raison pour laquelle que j'avais abandonné cet homme et puis je vois qu'il était un faux prophète. Parce qu'il avait fait des affaires terribles que je ne mentionnerai pas. Ok?
Donc il a dit, il avait acheté, il avait fait une provision pour une sœur. Elle a acheté un sac de riz, c'était bien. Il a acheté le poids, la viande. Et puis, dimanche matin, nous étions à l'église. J'étais tellement surpris. Je me suis comme resté figé sur la chaise. Il a dit, regarde comment là, et personne d'autre ne peut le faire. Regarde moi, la Sainte-Elle, n'est-ce pas moi qui vous apporte la nourriture? J'ai dit, pasteur, donc tu ne me vois plus ici. Je pars aujourd'hui, j'ai entendu maintenant qu'il est en Haïti. Dieu soit loué qu'il est allé en Haïti. Donc, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, il ne faut jamais. Par exemple, depuis l'Ancien Testament, blanc, le peuple de Dieu, le but, quelle que soit l'association, l'église, l'association, ces associations, en général, avant de s'entraider là-dedans, c'est que nous parlons et nous sommes bien. Ce bâtiment, yes. N'importe tout ce point inférieur. Maintenant, avec tout ça, qu'un frère est un frère en tout temps, dans le malheur, il se montre. Un ami est un ami en tout temps, dans le malheur, il se montre un frère. Dans l'église, on s'entraide. C'est bon question. C'est pas une question de quoi seulement, c'est dans tout pareil. Par exemple, il y a un monde là qui est comme qui a un jeune de l'école, si on n'a pas bon l'école. Il y a des jeunes dans l'église qui sont calés, mais des gens qui sont calés dans la matière. Et si le problème ça expose le cas de bon, ce qui a fait les gens de l'école, les gens de l'école, en deuxième temps, il y a des gens qui ont fait ensemble. Il y a des gens qui sont calés dans l'école seulement. Mais dans l'église, plus rien. Non. Parce que pas bien, il ne peut pas manger. Pas bien, il ne peut pas habiter là. Parce qu'on voit, donc tout le monde, parce que ça fait ça, parce que tout le monde n'a pas le même problème. Bon, le monde, tout, qui gagne l'argent, mais qui par contre diriger l'argent. Pas bien, non. Parce que si vous, non, j'en ai un jour, si dans le restaurant, on n'a pas le problème. Mais qu'il y a un talent pour ça, pour faire. Parce que même si vous avez $20 même. Au sein des frères et sœurs. Même dans la communauté juive, ça existe encore. Nous ne devons pas emprunter à nos frères avec terreur. Donc il doit y avoir un organisme à bilan éducatif à l'intérieur de l'église pour aider les personnes qui sont dans les besoins ou les nécessités. Conscience chrétienne. Yes. Mais si c'est ton ordre d'église, exactement.
C'est comme celui qui avait mis des souliers, il avait mis à l'envers. Donc il sent que les souliers lui font mal. Et puis il est allé voir un cordonnier. Le cordonnier a remarqué que les souliers ne sont pas dans les. Ont été mal placés. Il a dit, oh, je vois. Attends, on enlève ça. Donc il est entré, et puis il est sorti, il a dit, mets ton pied ici, mets le pied ici. Il a dit, oh, regarde. Mais maintenant, c'est un bon cordonnier. Mais ce ne sont pas les souliers qui avaient des problèmes. C'était lui qui n'avait pas les sens d'organisation. Ah, vraiment pour terminer, parce que je dois partir. Je vais vous donner un témoignage. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Il y avait une affaire qui s'était passée à l'église de Dieu, Mont des Sillons. Donc je vais répéter une chose que Frère Jean saura pour la première fois. Il y avait une soeur à l'église. Elle est venue, mais l'église était. Et chauffé, nous avons le chauffage allumé, mais nous chantons, nous louons, mais le Saint-Esprit m'a attiré vers la sœur. Il m'a dit, tu vois, cette sœur-là, elle a un problème. Je dis, Seigneur, lequel? Je ne savais pas. Je continuais à louer et à danser. Finalement, j'étais allé voir la sœur. J'ai dit, le Seigneur m'a dit ce matin que tu as une difficulté, je ne sais pas laquelle, puisse t'aider. Elle riait, elle a dit, pasteur, si tu savais su. Donc, il y a 3 semaines qu'il coupe l'électricité chez moi. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau chaude en plein hiver. À l'époque, il fait couper l'électricité, si tu ne payes pas, il pouvait le couper. Donc finalement, j'ai dit, ok, je vais régler la situation. J'ai dit, combien que tu dois? Il dit, je dois 600 dollars. On a fait la réunion, on a ramassé 600 dollars. 600 dollars. Et puis, j'ai dit à Saint-Denis, qu'est-ce qu'on va faire? Saint-Denis dit, eh bien, on va la donner 300. Mais j'ai dit, où elle va trouver les autres 300? J'ai dit, bon, ok. Il dit, ma soeur va voir Saint-Denis va régler la situation. Saint-Denis va enveloppe là, 600 dollars l'année. Mais maintenant, l'église a besoin de l'argent. Maintenant, nous restons dans la prière. Je devais partir. Et je ne vais pas mentionner le nom de la personne. Donc, je regardais Frère Jean qui est arrivé. Il a dit, oh, je croyais que vous partez, alors le Seigneur a mis dans mon cœur pour apporter cette somme-là. Frère, j'ai remis l'argent. J'ai fait ça pour sortir, pour aller chez moi. Je vois un frère, un chauffeur de taxi, alors je ne devrais pas le dire. Parce que attends-moi, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. 1000 dollars pour lui. Ta vie, on a aidé la soeur et tu as triplé. Parce qu'on a tout là. Vous avez dit, dans quel état nous sommes, nous n'avons pas d'argent pour nous aider nous-mêmes. Je pense dans 2 Corinthiens 8. Regarde pour moi, dans 2 Corinthiens 8, vous allez voir, une église qui était tellement pauvre, mais au début de sa pauvreté, il a contribué au-delà de ce que l'apôtre Paul espérait. En passant, je dois vous dire, si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, il faut continuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je ne vois jamais personne qui contribue pour l'œuvre de Dieu, qui est toujours pauvre. Alléluia. Vous pouvez aller, 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frère, la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens.
y a des personnes qui ont des moyens ici qui donnent bien. Qui donnent bien. Et le plus souvent, dans les églises, ce sont ceux qui n'ont pas de moyens qui veulent aider. Me dis encore, oui. Dans l'église, c'est le monde qui va remarquer tout vous faire. Mon qui veut, mon qui veut l'argent, il y a tellement 100 000 argent, travail pour Dieu, mais mourir, il n'y a pas. Ça va regarder. Oh, m'a pas pour pasteur riche. L'heure que peut bailler Salomon, ça, Salomon te dit. Salomon prenait pas votre encore. Il y a vite sous Salomon. Et puis c'est comme ça, pays Israël, juste qu'on y a, il y a meilleur ami, il y a meilleur médecin, juste qu'on y a, pas de monde qui a campé devant Israël. Israël campé dans le paquet de nations, et puis bon Javel, là en 1948, il vit dans la nation. Et ça fait, on vit dans la forêt, on a des cadres, on a des repos, puis tu as un diplôme, mais on n'a pas concordement. On sait pas, mon Dieu, comment bon Dieu, je sais pas. Si vous ne voulez pas manger, on soit à l'occasion familiale. Bien au contraire, maintenant à payer, tout l'argent à l'occasion familiale passe dans le pays local de l'église. Sous-sol à Caïmoué, passe dans l'église. Même chambre à Caïmoué, passe côté Mundi, ma soeur qui te fréquent, nettoyer qui moune, nettoyer qui te wate à ce cas. Nous-mêmes, vous êtes là. Nous passons, oui, c'est ça que fait passer avec tout le monde. L'homme ne peut pas mettre au chita pour te mailler. Je ne vois pas qu'on salte. Nous, oui. Donc, nous, quand on est là, je dis à nos gens anniversaires, palpitant. Un anniversaire de mariage, c'est l'anniversaire de mariage de notre secrétaire. La Saint-Pierre et le beau jeune homme, le frère Jésus. Donc ce matin, si vous regardez la Saint-Pierre, vous devez dire il y a quelque chose dans la coulisse. Mais si vous regardez le frère Jésus, il y a un soleil de printemps qui se lève dans leur visage. Donc nous allons prier pour eux, nous les allons laisser partir pour aller réjouir ensemble. Je dis à ces bienfaits, je dis à Frère Jésus, fête, je fais fête. Je ne vais jamais rencontrer, c'est moi qui prends le mari là, et puis je vais y aller, pour y aller dans l'idée. Pas de pas applaudir le Seigneur. Donc, le bon chant, je vais te chanter, il y a un bon soleil dans mon âme, demandez, alléluia, gloire à Dieu, c'est bien, Frère Jésus, capable d'avancer devant l'autel. Avant qu'il y a pas pour marier, pour parler matin. Hein? Gloire à Dieu. Ah, la prince Séphoris. Encore? Qui m'en apprend comme parler? Oh, Jacques-Pascal. Et le frère Jacques-Pascal, qui doit là pour aller. Mais maintenant, demandez à l'égard. Oh, nous avons des chaises en haut. Donc, donnons-nous une petite occasion, ou plutôt une petite chance, nous allons chercher à mettre petite chance pour eux, oui. Amen. Donc, nous tournons le micro à Séphoris en attendant la préparation de l'entrée nuptiale. Donc, pour moi, très bon salon, on n'a pas été terminé hier. Le matin, n'entrée. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons chanter une chanson en attendant. Nous ne connaissons pas bonne animation, mais c'est fou, bon. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.
Dans mon âme pauvre, des rives sont.